Sénateur Steven Benoit, ami compatriote TV la Haïti.com yo crasé pays à plate après gros révélation ça yo qu'il fin faire devant communauté internationale là précisément autorité canadienne yo ami compatriote TV la Haïti.com yo et ben Abdi Ariel Henry monsieur nan couri là et nous connaît dans quatre sanctions divers pays a prend compte des gros bourgeois dans pays d'Haïti qui a financé gang qui a fait kidnapping qui nan trafic drogue et ben jodi a là bagayo vraiment compliqué et nèg yo couri sorti note pour mande peuple la pardon mais peuple la ki yo même pas besoin pardon ça parce que après tout ça oligarque ça yo nèg bourgeois ça au fin fait pays a jodi a personne pas ka vivre en paix personne pas ka manger aucun monde pas ka sorti prendre la rue c'est femme k'ap violer à gauche à droite bandi a touye moun bagayo grave et ben nous pral faut attendre sénateur Steven Benoit qui lui-même dans cadre rencontre il te gagne avec autorité canadienne yo qui qualité causé monsieur mettez à terre Ariel Henry nan couri parce que si déclaration ça aussi des bagages qui vrai Ariel fait vrai et bien mesdames et messieurs n'abdou Ariel Henry pas longtemps prend code même sous le premier ministre d'ailleurs c'est blanc qui mettez n'importe les ouvle yo retirer et puis fourrer monsieur derrière quatre murailles et pas oublier ou sous la caille restez connecté sous vidéo jusqu'à la fin guys. Rencontre situation qui a passé là, bon me dit rapide, ça me pas prendre temps. Il y a des politiques qui prennent des sanctions contre yo, il y a des businessmen ou bien entrepreneurs et international là prend des sanctions contre yo, il y a des réactions moins ouais, des réactions pas trop tout. Mais entre-temps, m'a vienne sous ça avec vous tout à l'heure. Une délégation canadienne qui était entrée en Haïti là, il était rencontré avec responsable Montana yo et parmi yo, où t'es dans rencontre là. Ça que t'as discuté. Bon, nous-mêmes, c'est une délégation, il y a 10 personnes dans la rencontre là, il y a 5 Canadiens, 6 personnes Montana, il y a 2 élus, Richard Adam, votre serviteur, Steven Benoit, il y a 2 membres BFA, et Jacques Tézic avec Christine Sinendon, qui fait du papa encore une fois, mes condoléances à Christine, et avec le président de la KMTA, qui fait James Bell. Donc, nous 5. Nous-mêmes, le temps de réunion, ça nous a réunion même, mais toujours exigé pour nous gagner, ça nous relève pour être mémoire de ce qui dit dans la réunion. Et nous-mêmes, depuis 2006, chaque fois dans la réunion avec l'international et même avec privé, pour nous ne pas dire, mais ça c'est dit, mais ça c'est pas dit, et je connais en Haïti, nous dit n'importe quoi sur n'importe qui monde, mais toujours assuré, le matin, pour que tout l'international là, nous avons être mémoire. Je me lui et ma parole et puis me longer le bali à la fin de la rencontre et me rendre public à la fin de la rencontre pour le lendemain. C'est ça nous a fait même d'avoir rencontré Brian Nicole, mais malheureusement, on est si brûlé son bon là, elle n'a pas qu'à présenter, mais l'autre jour, nous avons pris disposition pour nous là. Et nous-mêmes, dans Montana, pendant 3-4 jours, nous avons travaillé sur une mémoire de ça nous parle parler. Et mais nous parlons, nous venons nous parler de 3 mois. Et qui public, nous ne pouvons pas de sanctions, parce que c'est pas un à l'autre du jour, dans toute semaine, ce pas là, que nous disons que nous position de sanctions. Deux, c'est moi faire des interventions, évasion, occupation militaire, des occupations militaires, des générations militaires. Nous disons que nous ne position pas sous lui. Nous ne pouvons déjà devant Américains, nous ne pouvons pas Canadiens, nous positionnons, qui n'a pas changé. Et puis, troisième bagaille, si ça nous propose comme gouvernement, parce que tout le monde pense qu'il crée pour nous que le gouvernement n'est pas capable, donc il est capable, il est corrompu, il est illégal, il est constitutionnel, mais comment nous pouvons remplacer lui sans parler cas, et nous-mêmes nous faisons proposition. Donc c'est trois barres de la caractère, sanction, assistance technique et logistique à la police nationale, troisième bagaille. Reconstitution, gouvernance nationale pour le pouvoir de transition consensuelle. Mais trois paroles nous sont portées par les Canadiens pendant une semaine et demie. Nous faisons ça avec l'ambassadeur Bocré, avec l'équipe de l'Amérique latine et des Caraïbes, le ministère américain du Canada, avec M. Barrière, qui est ambassadeur Canada en Haïti, et puis deux mondes qui sont dans le bureau politique, ambassade Canada. Gremon moi situation li grave chef délégation Bob Ray dit et acteur politique yo pa vle accord mais il dit jan situation grave là nous obligé
sorti dans position fixe non pour avancer dans l'intérêt pays a li dit nous ça clairement comme ça non il pas dit comme ça clairement monsieur lui même pas oublié c'est dans l'olivier éventuellement il gagne vote qui pour l'albaï dans les jours à venir il y a position publique qui pour le prendre monsieur de venir ici pour dire que c'est position tout fondu il rencontre les secteurs privés des affaires il rencontre les sociétés civiles donc les sociétés d'activement il rencontre les secteurs privés voilà les marques qui ont sorti les marques sorti monsieur lui marque la crise il rencontre les diplomatiques il rencontre l'association officielle il rencontre les héros et d'abord la police. Donc, il y a un paquet de monde. Nous-mêmes, le côté nous disons que nous sommes nous. Et nous-mêmes, nous disons nous positionnons nous sur trois points nous pensons qu'ils étaient intéressés. Je n'ai pas parlé hier, je me suis dit pour l'élection, faire le plus vite possible. Moi, je réponds, moi, je dis que même quand je parle avec là, comme vous, c'est député, je suis au moins 15 ans, comme député, et moi, c'est premier ministre de l'État de l'Ontario. Je dis, monsieur, même Yamel, mal l'élection. Et pas dit que les élections qui sont démocrates dans l'âme, seul le monde qui a pouvoir non démocratie, c'est à travers les élections. Moi, je dis Mondana, et comme il y a même le contexte, Mondana attaque, et moi, je dis la petite personne à nous, moi, je dis, monsieur, Mondana clairement proposé élection, avec qu'à quoi? Et moi, je dis, pour nous faire élection, oui, on dit que c'est une population aujourd'hui. Ben, dit sénateur. Bon, si ça, problème technique là, pas dépend de véritablement de nous-mêmes en tant que radio. Nous connaissons une communication extrêmement difficile dans Haïti. Ah, sénateur, capitaine, il n'y a pas de problème. Sénateur, où là? Ok. Oui, où dit comme Montana? Cette démocratie de Mondana, nous conscients que pour le pouvoir, le gain pour l'état de droit, c'est à travers des élections libres et honnêtes. Et en Mondana, nous gagnons des gens qui habituent à l'élection, Patrick Dumont, encore député en fonction, Denise, Joseph Denise, qui est le meilleur sénateur, nous passons en bas. Nous gagnons deux fois comme député dès le premier tour. Nous gagnons une élection facilement encore comme sénateur. Et nous gagnons plusieurs autres gens. Et plusieurs élus en Mondana. Et nous avons plusieurs ministres qui connaissent l'élection qui est financée le pays. Et il y a un pile là de nous, en deux ministres, qui connaissent que pour passer devant le Parlement, donc on connaît sa élection, ça reconnaît l'importance démocratie, l'importance au Parlement, qui est démocratie. Donc Mondana, très élevé, et nous expliquons ça, et nous avons expliqué ça. Moi, je dis, nous avons l'élection, mais pour l'élection, pour condition réunie. Et une des premières conditions, et c'est sécurité. Parce que matin, là, hier, on consultation, il y a eu kidnappé plusieurs mouns. Et nous faisons ça qui a passé dans la Simonie, surtout la plaine, surtout moun y a kidnappé, y a violé. Il n'a pas les violé sexistes, moun qui a violé ou seul moun, jeune, si moun, 8 ans, 10 ans. Et nous-mêmes nous disons, c'est ça qui est priorité numéro 1. Mais nous-mêmes, notre feuille de route, yon, qui publie, nous dit, en final, là, nous voulons faire mise en place là. C'est élection. Parce que le monde a dit là, on peut pouvoir pour 5-10 ans sans qu'on parle d'élection. Et nous expliquer que le gouvernement, qu'il a toléré depuis 10 ans, régime, il a toléré depuis 10 ans, tous les deux présidents se passent là, ils ne pas faire une élection pendant tout le mandat. Matéli va faire une élection pendant 5 ans là. Et Jovenel Moïse, 4 ans et demi, il va faire une élection. Donc nous-mêmes, nous très clairement expliquer que ce n'est pas faute peuple haïtien, ce n'est pas faute peuple et pas faute Mondana, et ce n'est pas même faute opposition à régime, non, que pas d'élection. Élection sont bagages, c'est le monde qui n'a pas pouvoir, qui pour organiser l'élection. Et je dis à un moment, on a parlé là, pas grand monde qui empêche Jovenel Ariel faire élection, mais pas grand monde tout qui empêche Ariel bail payer la sécurité. Et pas Mondana crampé en quoi qui dit Ariel, nous pas quitte la sécurité. Ariel n'est pas capable de faire sécurité parce que Ariel est compétent et le monde qui boit côté lui est compétent. Et ça, maintenant, les paroles ont été portées. Et l'ambassadeur a parlé de l'élection. Et là, il parlait de nous pas sous ça. Nous pas sous. Et nous inflexibles. Nous expliquons que depuis l'année dernière, avant même de faire l'élection au niveau de Mondana, il y a une délégation
deux mondanas qui rencontrent Ariel en plusieurs reprises. Ariel préférait passer dans la bêtise parce que Ariel a une communauté internationale derrière, il a l'armée, il a la police, il a des oligarques derrière, il a des gangs d'État qui travaillent pour eux. Donc Ariel est très confortable parce que son tweet communauté internationale a été mis tel et malgré tout, révélation de incompétence criée, monsieur, communauté internationale là, dont le Canada continue à supporter. C'est ça, et nous-mêmes, nous te dit comme message, nous ne sommes pas d'accord, mais comme nous demandons opinion, nous, c'est opinion nous devons entendre. Nous avons opinion, nous, parce que moi-même, je pense que c'était une bonne chose que les Canadiens ont entendu nous, et moi-même, je félicite eux, parce que pour moi, Canada, c'est une salle pour l'état de droit. Moi, dis yo, même les gens qui ont conçu l'état de droit là, permettez-moi, aidez-moi, comme vous pouvez avancer que moi. Mettez état de droit dans le pays, parce que moi-même, je connais le Canada à travers le monde, reconnu comme un pays, côté état de droit, blaï sur tout territoire, c'est un pays côté respecté tout le monde, que l'Indien, Amérindien, Esquimaux, Noir, Latin, etc. C'est un pays côté respecté le monde plus. Donc, je dis, moi-même, c'est rêve, nous tous, pour même le Canada, on joue, mais nous avons des difficultés financières, nous avons des difficultés politiques, parce que depuis 10 ans, interférence dans l'élection pays. Il y a des gens qui ont l'élection il y a 10 ans, pas gagné, nous imposé par Haïtien. Après ça, dans 5 ans, il y a des corrompus qui ont l'élection, députés, sénateurs et présidents qui n'ont pas éligible pour devenir candidat même. Nous quittons l'élection, ça a passé, alors que CIEV a très clairement exprimé que pas de l'élection en 2015. Donc, je dis à la communauté, il y a un tort, pas tout. Dans sa nuit là, et deux ou trois fois, l'ambassadeur lui dit, lui-même me livre franc parler. Elle me dit, monsieur, moi-même, on fait franc parler. Elle me dit, moi-même, j'ai une bonne relation depuis le député avec l'ambassade Canada. Toute l'ambassade de Guinée, il y a toujours des opinions. Elle me dit, monsieur, c'est notre cas de franc parler, je me suppose, oui, qui est là. Et moi-même, je dis, dans franc parler, il faut me dire, bah, je lui ai. Et moi, dis que avant le président est assassiné, elle me dit, faut nous voir qui est-ce qui a assassiné le président, qui est-ce qui est financé. Et moi, dis avant le président d'assassiner, il était bâti Ariel Henry pour mandat pour organiser l'élection en décembre 2021, il pas fait. Ariel Henry annoncé l'appel en mi-2022, il pas fait. Ariel Henry annoncé l'appel en fin 2022, il pas fait. Moi, dis Ariel Henry a passé une bêtise. Ariel Henry pas qu'à faire élection parce que Ariel Henry pas gain légitimité pour faire élection. D'ailleurs, m'expliquer l'Iberson 4 pas qu'on est. Mais dit pour faire élection, il faut un président à Bajam fait en Haïti, dans toute l'histoire d'Haïti, qu'on pourrait faire élection. Parce que la Constitution clairement exprime, il dit que les gens qui pour confronter le peuple dans ses commissions sont président de la République. Les gens qui pour nommer CEP, c'est le président de la République. Côté pour même CEP, il est au fil nommé par le président pour le prêter serment, c'est devant la Cour de cassation qui n'existe pas. Donc, et pour faut qui est pas un coup de cassation, je dis à encore une fois, c'est faute exécutif. Donc, mettez tout le bail devant nous. Moi, je prends note et je crois que monsieur est mieux édifié et directrice qui est supérieure hiérarchique. Monsieur Bosé, directrice à balle pour le ministre des Affaires étrangères, madame Jolie, propos que je me balie. Et qu'après, je vous prends le premier ministre Trudeau. Très bien. Peut-être que bagaille, peut-être Canada. Bien comprendre et moi après échange nous faire que il y a mieux comprendre donc c'est ça nous mettons à la jeune très bien clairement limpidement et moi quelque fois ça m'a rien qu'un doute que Montana encore une fois deux bonnes fois Montana et ben Montana qui a péché Ariel fait élection et ben nous qui a péché nommé c'est belle et ben nous qui a péché la sécurité et ben nous qui a péché Ariel gérer le pays tout la... simplement tout le monde y a ouais que monsieur Ariel Henry pas un cœur pour peuple là il va gagner une compassion pour peuple là je veux dire si deux monde mourir en Turquie ou bien en Ouzbékistan ou bien en Kyrgyzstan nous j'ai bien un fort tweet pour de ces partis mais je veux dire là mon a violé hier il y a au moins 12 monde qui kidnappé il y a un fonctionnaire de l'état qui kidnappé assassiné lâchement il y a deux policiers qui assassiné fonctionnaire de l'état capitale pour l'état deux jeunes
assassiné, une assassinée, une blessée, et nous sommes au moins une cinquantaine de policiers qui mourent. Allez, ça, très bien. Assassiné. Très bien. Non, non, d'ailleurs, je me dis rien de ça. Non, Ariel, pas au courant, débat comme ça. De toute moi, façon, bon, gars, on bagaille. Les bonnes positions qu'a prend dans Montana, même si signature, c'est membre BSA, il n'y a pas consulté l'autre acteur. Aide-mémoire, si on parle de aide-mémoire, c'est gagner des positions, c'est position BSA, les BSA proposition, c'est 21 monde, il y a un conseil de proposition. Le président a proposition, il s'est avec conseiller de proposition. Non, je parle de BSA, je ne vais pas faire individualité, je parle de institution, je vais parler de BSA, BSA. Tout le monde cita, tout le monde concerté, tout le monde sorti et ensemble. Et aide-mémoire qui sorti là, t'es gué mon BSA qui travaille là-dedans, t'es gué moi-même qui travaille là-dedans, t'es gué Fridjan qui travaille là-dedans, t'es gué Jean Baptiste, représentant KNT qui travaille là-dedans. Ou pas commandé ou 200 mounes qui ont document, t'es gué près de 10 mounes qui travaillent sur document, gué bagaille. Nous ne sommes pas d'accord de ou paragraphe, mais en fin de compte, l'OAP est un document aussi important. Il y a une concession qui peut faire. Et moi-même, il y a des choses qui disent aide-mémoire. Je ne peux pas mettre en société, je ne peux pas mettre en crise. Mais comme je ne peux pas mettre en crise. Donc, il y a des choses, des fois, il faut faire concession. Très bien. Et maintenant, nous connaissons un monde de compromis. Donc, de temps en temps, moi-même, je fais des petites concessions. Et si un jour, je fais une entrevue avec un monde dans le BSA ou dans le président, là, je dis, moi-même, il y a une phrase qui te dit là, je ne suis pas d'accord. Mais m'assumer parce que nom dans document si m'pas assumer m'pas ta quitter mettre nom dans document donc moi même m'assumer et si vous voulez entrer dans document moi même ka discuter avoir dans document non m'pas gain danger m'pas gain danger m'gain document tout c'est à Benoît m'gain le tout mais que des monde qui dit tu yo prend des sanctions contre de politique BSA ou bien Montana fait silence yo main de monde dans secteur privé là puisque gain des monde mon yo main gain des monde dans Montana c'est boss yo ou bien patron yo yoyé c'est ça que fait yo prend position soit t'a répondre bon un si 22 là gain boss Montana gain 1100 monde là dans 1100 signataires et m'a connait de qui a fait référence monde qui a dit gain boss yo si t'es non monde yo si t'es non boss yo même pas un boss en deux fois mal élection moi élu gain boss moi qui était peuple Pétionville première fois deuxième fois était peuple cap vive département ouest kounye la l'autre jour la mal non élection deuxième degré moi gain des boss moun nan KNT ou te voter pou be sak pa voter yo moi dwe yo explication et d'après matin l'on invite m émission dou bon mon petit temps pour me dire tout moun nan Montana que me voil parler pour moun pa di mal parler en cachette ce parole moi yo pa je fait en cachette parole moi c'est transparence yo ye et là m'a parlé m'ble tout moun tande ça m'a dit si m'a bay menti pou moun nan ka rele dans radio a pou dire té là si ben a bay menti donc moi même m'pa un boss mais maintenant c'est toujours comme d'habitude c'est conviction qui guide moi c'est connaissance qui guide moi c'est savoir faire moi qui guide moi c'est amour moi pour la patrie qui guide moi c'est respect de l'autre qui guide moi et moi même c'est révolte moi tout contre ça un régime a fait payer depuis 10 ans et tout le monde qu'on position en face à régime ça et tweet moi fait hier yo et l'heure de sanctionner comme où il est là moi même avant même de sanctionner moun yo sanctionner 12 ou 13 moun ça yo mais c'est pas 13 moun non c'est 13 moun ou qu'on est il y a des dizaines de moun qui sanctionner déjà bizarre étant coupé donc étant gelé bien yo à travers dans plusieurs pays dont les États-Unis d'Amérique mais mission pas oublier gomba yo et les deux là Magnitsky Act en anglais, côté que américain lui-même le sanctionner un concitoyen son bagage entre lui-même avec citoyen là donc un paquet et fonctionnaire qui est en Haïti haut fonctionnaire gros chef en Haïti qui a passeport américain ou bien qui réside en américain qui sanctionné mais yo pas pour publier non moun sa yo parce que moun sa yo c'est citoyen Radio Omega moun ou a parlé là yo yo bak yo là deux trois noms mais marqué gain moun c'est canadien ou bay noyo américain pour ko bay noyo américain pas bay non moun sa yo parce que moun sa yo c'est américain c'est citoyen américain yo donc et le fait de dire que Montana après position ou x ou y moi dit faux Montana de gagner pour te préparer d'ailleurs et Romanes moun sa le de premier sanction yo BSA pas Montana mais BSA qui c'est bureau suivi Montana tes proposition sous sanction et d'applaudi pas dans BSA non mais on t'a applaudi dès demain. Très bien. Et en général, BSA, c'est bureau de suivi Montana,
en principe, c'est parole Montana la porte et même pas de problème avec le Gabriel. Moi-même, d'ailleurs, j'appuie toujours. D'ailleurs, c'est moi qui fonde, je suis le créateur avec Bob Mondé, député Mondé, et puis quelques autres députés de la commission anti-corruption à la Chambre des députés. Et je suis sénateur, sénateur collègue, je suis venu jouer en 2011. Je suis tellement pour une bataille contre la corruption et contre l'impunité. À l'unanimité, derrière d'hommes, s'il vous plaît. Yo quitté ce bat là, il me déplacé, yo mettez moi derrière d'hommes, yo dit moi place ça c'est pour s'y venir, c'est monsieur pour président commission anti corruption et me fait toutes 6 ans dans le Sénat comme d'abord président commission anti corruption et yo vinn récompenser, yo mettez premier secrétaire, yo vinn récompenser, yo mettez vice président Sénat. Donc ça n'a dit là moi même position pas jamais changer, c'est pour lutte sans merci contre la corruption, contre l'impunité et moi même m'a dit là dans la radio ça. En plus, on attendait. Moi, applaudis dès demain. Sanctions qui prennent, même te dit, et me dit, hier encore, me dit notre vidéo, pourvu qu'il y ait preuve palpable et irréfutable. Et me te dit, l'autre jour, dans le fait sanctionner deux sénateurs, deux collègues, me dit, vous avez oublié tout ça, vous m'avez dit, vous réagi, me dit, deux collègues, si nous pensons que vous faites nous abus, prenez un avocat. Et al défendre tête nous, al défendre tête nous. Et puis défendre tête. Oui, c'est ça tout qu'on t'a dit. Les trucs sont là. Très bien, pas de problème. Et pas là avec collègue tout. Collègue moi, j'aime bien venir jouer dans le Sénat. Très bien. Très bien. Défendre nous. Très bien. Troisième paragraphe et dans le document, on va parler là. Ces sanctions doivent être fondées sur des preuves juridiques. Leur application devrait être impartiale et en aucun cas, elle ne devrait être utilisée comme un moyen politique pour régler des problèmes politiques avec des patriotes conséquents qui défendent les droits et les intérêts de leur pays. Vous pensez les États-Unis, le Canada prennent des sanctions contre le monde, il n'y a pas de preuves ou bien il n'y a pas de capacité pour le dire ça, il prend sanctions contre eux. Il y a des documents sur ça. Mais allez plus loin. Moi, je dis un, comme gouvernement, c'est un gouvernement pas réglé, un gouvernement corrompu, il n'y a pas de courage pour le faire, parce que le monde qui mettait là, c'est quoi?